Le Stop Covid Tour, ça a permis de vacciner pas moins de 3000 personnes depuis la rentrée de septembre. Et c'est important parce que c'est sur ces 3000, ces 3000 vaccins, c'est aussi 10% qui ont concerné des primo-injections. Donc on a encore et toujours à aller vers une population qui est vulnérable et non vaccinée.